Qu'est-ce que tu as choisi? Ça, c'est un jeu. Il y a plein de jeux dedans. Salam alaikum. Ah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va, Inès? Hein? Oui, ça va. Oui. Alors aujourd'hui, on va aller à Cash. Parce qu'ils ont reçu un petit peu des sous. Et ils veulent acheter des trucs. Inès, tu veux acheter quoi? Des cartes Pokémon. Cartes Pokémon? Et de la Play 3. Et un jeu de Play 3? Ouais. Et vous? Moi, je veux respirer. Moi aussi. Ouais, Cash, il y a toujours... ça dépend, il y a des fois des jouets, des jeux, il y a plein de trucs. Même des jeux de société, il y a Inès, Yasmina, des fois tu aimes bien. Ouais. Il y a des jeux de société, des jeux, il y a plein de trucs. Il y a un jeu de société que j'adore. C'est ça qui est bien, Cash, tu as quand même pas mal de choses. Non, c'est vrai, Cash, c'est bien parce que tu as pas mal de choses qui est d'occasion, mais ça fonctionne parce que sinon, ils ne le vendraient pas dans le magasin. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à Cash et ils vont se faire plaisir. Et toi, Soufiane? Hein? C'est toi? Des voitures, je pense. Hein. S'il y a des voitures, on t'achète une voiture. Voiture, s'il y a des voitures. Boum, boum, au magasin, s'il y a les voitures, on prend une voiture. Allez, voilà, ben on y va à pied parce que je peux pas prendre la voiture. C'est quand même un petit bout, hein, c'est dans la ville. Je pense 40 minutes, on va marcher. Ouais, on avait été acheter les jeux Minecraft. Ah oui, avec à la Play 3. Ouais, avec les grands ongles, on avait vu la dernière fois un homme, mais il avait des ongles comme une femme, mais très longs. Il avait des cheveux roses. Il avait des cheveux roses, il avait les ongles très longs. Hein. Punaise, avec vernis à ongles et tout. Hein. Toi, t'étais pas là, Inès? Si, elle était là, Inès. Mais elle avait pas vu, je pense. Elle était à fond dans les jeux, à regarder. De quoi? Quand on avait été à Cache, il y avait un monsieur, il avait des longues ongles comme une femme. Tu te souviens pas? Non? Bon, allez, on va marcher, on va avancer bien. Comme ça, on n'arrive pas trop tard parce que là, c'est quand même 10 heures passées. Si on arrive pour 11 heures, c'est nickel parce que comme ça, il en reste une heure pour chercher le fils. Ça vous va une heure hein, pour chercher, non? Hein? On va pas passer 2 heures quand même. Ça va les filles? Ouais. Pas trop dur? Non. On a quand même fait juste. Nous on est là-bas là-haut. J'ai vu ma copine et en plus ça fait 3 mois que je l'ai pas vu. Ah ouais? Ah, elle était pas à l'école elle? Non, elle était pas là. Ah. J'ai envie de boire de l'eau, j'en ai pas ramené de l'eau, on a oublié. Ah, c'est pas grave, on va boire quand on arrive, il y aura de l'eau bien fraîche. J'ai mis de l'eau au congélateur exprès. Déjà, à mon avis, tellement elle est froide, tu bois un verre là, ça te fait mal à la gorge. À la tête surtout. Voilà, surtout la gorge, ça fait un glacé, ça fait bizarre, tu sais. On dirait que tu endors la gorge tellement c'est frais. Un verre, deux verres, après tu verras. Bon, allez, fais courage, dans 10 minutes comme ça, on arrive. Ça va, on a fait moins long que prévu, hein, quand même. Vraiment moins long. Hein. Les autres, c'était trop long. Non, ça va, t'as vu, on arrive dans 10 minutes, comme ça. C'est bon, ça te va dans 10 minutes? Ah, c'est pas potable l'eau. Eh, Sofiane, toi tu es caché sous la casquette parce que dès que je lui lève un petit peu, il est pas content. Ah là, ça va. Coucou. De l'eau. Allez, viens Inès. Non, elle est pas potable l'eau. On boit pas l'eau qui est pas potable. En plus, il y en a qui mettent leur bouche. Ouais, non, mais l'eau qui est pas potable, on boit pas parce que sinon, vous allez avoir mal au ventre après. Hein. Ça y est, on est arrivé gentiment au magasin. Non, avance, tu verras, c'est marqué Cash dessus. Là, tu vois pas où il y a le petit tableau là-bas? Et bah, juste derrière le tableau, il y a le Cash. Il y a des petites. C'est quoi ça? Ça, tu peux ça, ouais, mais je sais pas c'est quoi. C'est quoi? C'est pour faire des trucs. Quel truc? Avec les mains. Ça là-bas, le fil. Ça, je sais pas, c'est quoi. C'est vrai? Ah. T'as choisi quoi alors? Montre. Qu'est-ce que t'as choisi? Ça, c'est un jeu. Il y a plein de jeux dedans.
C'est VTEC en plus, c'est de la marque. Il y en a une qui coûte pas cher. Ouais, celle-ci elle est 14,90€ aussi. Celle-là? Ouais. Ah, alors moi, merci, elle prend celle-là, moi je prends celle-là. Ah non, toi t'avais dit la bleue. Ok, ça marche. Ok. Inès, elle a acheté, alors t'as acheté quoi? Yeah. Et le monsieur, il a offert même le jeu. Parce qu'elle avait pas assez pour acheter le jeu. Il a acheté ça, c'est pour Sofiane. Cendrillon. Je l'ai mis cool. Là. Et toi, Yasmine, t'as acheté quoi pour finir? Alors, elle n'a pas trouvé à cash. Elle s'est arrêtée à un magasin. Voilà, un jeu de fléchettes. Super. Et Asya, elle a acheté les figurines. Il y a aussi derrière. Ah ouais. Asya, elle a acheté les figurines de Fortnite. Et de Mario aussi. Ça, des figurines. Là, je veux dire, pas la figurine, figurine de Mario et la peluche de Fortnite. Non. Voilà. Et Sofiane, je vais trouver une petite moto et Star Wars. Tu veux voir ta moto, Sofiane? Monte. Oh, la belle moto. Moto. Allez, on va rentrer. En plus, tout le monde a soif. On a tous soif, on n'a pas pris l'eau. Cette fois, il faut qu'on prévoie de l'eau quand on sort parce que là, on n'a pas d'eau à chaque fois avec nous. Inès, tu viens? Allez, viens, comme ça tu vas jouer à la maison. Voilà, bon, je pense d'ici 20 minutes on est à la maison, le temps de monter là. Je suis super chaud, vraiment super chaud aujourd'hui. Heureusement on est parti le matin parce que l'après-midi à mon avis, ça va taper. Ça va taper. Allez Inès, allez. T'as vu? Allez, on va rentrer tranquillou à la maison. On va aller d'abord chercher le pain. Non. C'est bientôt midi, hein. On a faim aussi. Hein. Vous avez pas faim les filles? Oui, j'ai faim. T'as faim? T'es contente quand je te fléchette Yasmine pour finir? Parce qu'elle est sortie de cache. Elle était déçue, triste parce qu'elle a rien trouvé pour elle et c'était cher ce qu'elle voulait. Tout ce qui est électronique. Alors pour finir, on est parti avec des tristes, on a vu ce magasin. Franchement, super le magasin. Truc pas cher, hein. La prochaine fois, je vais prendre le nom, je ne me rappelle plus du nom, c'était quoi. On regardera même sur le ticket, en fait. Et vraiment, c'est un bon magasin, il y a de tout, hein. Il y a des petits jouets, il y a des trucs de piscine, il y a des rideaux, il y a tout ce qu'on veut. Tout? Bah ouais, il y a un peu de tout, on peut trouver tout ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de voiture. Non. Ouais. Alors, je suis en train de préparer le goûter pour les enfants. Nazia va aller les chercher à l'école. Alors je me suis dit je vais préparer un bon goûter, j'ai fait une pâte à crêpes, une bonne pâte à crêpes, comme ça ils vont avoir un bon goûter, crêpes, chocolat, sucre, confiture, ce qu'ils veulent dedans, avec un petit lait, un lait chaud, un lait froid, c'est égal. Alors là je vais préparer vite fait les crêpes en espérant qu'elles soient prêtes quand ils arrivent. Voilà. Bon, il n'y a pas de raison, hein, ça va assez vite les crêpes. Hein. Bon, pâte à crêpes, je pense pas besoin de dire la recette. C'est juste des œufs, la farine, le sucre, le vanillé, une pincée de sel et des œufs. Voilà. Nickel. En plus, ça, c'est une pâte à crêpes qui n'a pas besoin de repos en fait. C'est une pâte à crêpes rapide. Donc, ça, c'est génial quoi. Pas besoin de laisser reposer encore une heure ou deux au frigo. Là, au moins, elle est déjà. Prête à cuire, on va dire. Voilà, voilà. Allez, je vais attaquer avant que tous les enfants ils arrivent. On va essayer de la retourner maintenant. J'ai jamais fait, enfin, j'ai déjà fait une fois, mais je suis pas fan de ça. Je préfère. La poêle à l'ancienne. Mais bon, ce qui est bien avec celui-là, c'est que ça fait des grandes crêpes par rapport à la poêle. Ça, je dis pas. Mais je préfère faire à l'ancienne et tu lances la crêpe, elle se retourne. Pour ceux qui savent le faire, c'est cool. Ouais, bon, ça va, on va pas se plaindre. Celles-là, après, elles sont bien grandes aussi hein, par rapport à la poêle. La poêle, c'est tout petit, hein, comme plus petit quand même. Hein. Mais bon, ça, moi, les enfants, ils ont des grandes crêpes. C'est pour ça que j'ai fait avec ça. Comme ça, elles ont des grandes crêpes, j'aime bien les faire fines parce que ça, elles aiment trop les filles, hein. Vraiment les filles, elles aiment trop les crêpes. Dès qu'il y en a plus après.
ça va plus vite aller manger qu'à les faire. Voilà. Là, le temps de cuisson et tout ça, le temps de les faire. Ah, tu mets ça sur la table après, c'est bon, c'est dégommé en 10 minutes, 15 minutes, il n'y a plus de crêpes déjà. Hein. Les filles, elles aiment trop ça. Sofiane aussi, je sais pas s'il a déjà goûté, mais ouais, je crois qu'il aime aussi la crêpe, Sofiane. Je me souviens pas s'il a déjà goûté une crêpe. Oui, je crois. C'est possible. Je pense qu'il va aimer. De toute façon, ça, c'est trop bon. Tout le monde aime. Alors, elle est pas mal la pâte rapide, comme ils disent. Sans repos. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, moi, il n'a pas besoin d'attendre une heure ou deux heures que ça repose un petit peu la pâte. Là, elle est faite direct. C'est nickel, vraiment. Nickel. Hop, encore un tout petit peu. Et ce sera OK. Et voilà, pas mal, vraiment pas mal du tout. Allez, je vais continuer les autres crêpes, c'est parti, avant qu'ils arrivent pour le goûter.